Merci pour tout l'esprit, pour compassionner les éléments de nous. Pour que le Seigneur fasse nos grâces, nous ne pas mentir, nous ne pas changer du tout. Et en grand amour, il fait nos pas son semaine, caché pour vous en bas de lui. Mais pas n'importe quel autre, qui déjà, nous ne pas placé et qui déjà en bataille. Dans sa façon à dire, nous devons protéger nous. Et comme avant hier soir, Les mots font la prière de mes commandes et puis moi, ok, c'est un partenaire. Mais moi, ma carte de télé, c'est Haïti, moi, je ma carte de télé et puis mon paquet pour mon mari. Et puis en même temps, moi, mon partenaire qui est là-dedans, il dit, oh, et pas Jean, la bagaille, ça tout, il reste un paquet pour mon kidnappé. Mal, mon nom, mais on baille Jean, on fout dans la bouche. Pendant une nuit, c'est moi-même, Jean, même dans le monsieur là. Et puis sur place, moi, ils font. On débute tout, on couche face à terre, on m'a demandé grâce pour Jean. On m'a dit grâce pour Jean, on m'a dit grâce. Et puis, on porte à tête, fait mal là, et puis, on continue à prier. Et puis, on a 6 heures, on m'a dit, bon, pardon, pam. Bon, moi, on a dormi qui prend une façon qui va faire bien, mais faites attention. Comme, bon Dieu, dans votre amour, il va bien pitié pour vous, parce que moi, je kidnappé vous. Et puis, mon paquet, mon mari, en bas, et puis, on m'a en bas. Et pourtant, il n'y a pas de poli. C'est même fait mon récent aujourd'hui. Dans demain, si tu veux, c'est dans la cour la carrément tout le monde a un code mal. Ou un gros conteneur comme côté ciment. Machine a commencé à écraser depuis bon cas et noir. Mon bon cas ici. Écrasé. Mon bon cousin moi qui couche sur un bois. Ma tête m'a vendu à la glace. Mon cousin encore qui chute à son bloc. Bon, coupe les bois. Machine nan prend igloa, il voye l'aller, tu fais agetan. Pas dit l'aller, mais tu garçon répétant de dit, son idée de lever tête, il garde la fumée pour le point pour lui. Bloc la côté, tu garçon qui sort comme ça, dernier avec machine, c'est bloc. Machine à camp. Machine à camp là, on a tout le monde qui voit, on a la coupe à rentrer, parce que le monde qui a la camp, on est dans la rue, comme si nous étions comprendre. Je sais pas la gagne, tout le monde prend des temps de tout. Il dit, ah, mon est là pour parler de fille. Et puis, il dit, c'est dans le lien. La personne qui va aller me dit, oh, c'est hier. Juste pour même tout faire grâce. Il m'a expliqué, il dit, c'est dans le lien. Moi, dès que tu as ça, mais je pense que ce n'est pas pour nous, non, parce que c'est pour nos amis. Mais ce n'est pas pour nos amis, non. C'est nous-mêmes qui avons des codes dans le lien. Mais bon Dieu, fais-moi grâce. Dans votre amour. Moi, je dis mon Dieu merci, malgré ma dîme, on va dire, ma bon, mais si elle n'a plus dans le programme, mon Dieu merci pour ça. Et n'a pas répondu dans nos fausses courage, aidez-nous pour nous faire un plan. Et spécialement, sur des créatifs dans le moment, pour être capable de bien créatif pour nous. Mon content, et n'a pas répondu dans nos fausses courage. Et n'a pas laissé à couvrir nous, pour semaine ça, nous parlons pas de famille nous qui est ailleurs, et nous-mêmes qui ne sommes pas ici. Bon Dieu, couvre nous comme entre les classes pour l'épanouir de tout son dimanche. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Genèse 2, 8 à 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui dit. Genèse 2, 18, pardon. 18 à 8 à 18, pardon. Genèse 2, 8 à 18. C'est ça qui dit 8 à 18. Pardon. C'est 8 à 18. On commence à 18, pardon. 8 à 18.
Alors, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les fleurs sortaient d'Éden pour arroser le jardin. Et là, il se divisait en quatre bras. Dans du premier, le pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de la villa, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. Celui qui entoure le pays de Kouch. Le nom du troisième est Idkel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Nafa. Donc, pour nous, ici, le jardin du Bénin, de verset 14, dans vos fleuves, parce que deux fleuves sérieux sont évacués. Exactement. C'est ça que je dis, le jardin du Bénin. Le Mont Sinaï, c'est en Arabie Saoudite. Si le Mont Sinaï est en Arabie Saoudite, on est besoin d'aller sur les captations pour essayer d'analyser, pour être capable de vivre ensemble. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet homme à l'homme. Qu'est-ce que je là? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est la première loi que Dieu a instaurée. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais l'interdiction, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit, pas bon pour que l'homme soit seul, je vous le dis, pas bon, pas seul. Alléluia, verset 10. L'homme, Dieu met une regarde à petit jardin, c'est deuxième l'homme. Parce que première, il crée à l'image de Dieu. Première, c'est l'esprit de Dieu. C'est ça, il formait avec toute cette terre qu'il mettait pour cultiver le jardin. L'on lit dans verset en l'air. Nous avons la Genèse 1, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Disons Dieu qui est esprit, créé au bagage à l'image lui. Bagage à on l'a fait avec son esprit. A dit premier l'homme non. Il crée l'image de l'homme esprit, l'homme en dedans. L'homme en dedans, qui est pour payer conséquence, pas sauvé, c'est l'esprit. Le premier, il fait. Deuxième, non, il fait, c'est l'homme chez ça, au cas où il y a avec Joe. Ça, il forme avec la. Ouais, c'est lui-même, il prend, avec, il forme pour cette terre, et il fourre l'homme esprit en dedans. Là, c'est enveloppe, il faut actionner ça. L'esprit à la prière. Au verset 4 là, dans Genèse 2, il dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était pas encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Hein? Voilà. Puisqu'on esprit bagarre. Qu'un mon mari pour que tu vois. C'est deuxième l'homme que l'homme sur Kawaya. Moi bien saisi, ça c'est le dernier. Oui bien. C'est deuxième. Ok, fin avec vous.
lorsque Dieu besoin vivant, par exemple, que dernièrement, c'est le cas de parler de ça. Et nous te sommes enseignés parce que nous sommes arrivés sur le bambou. Lorsque Dieu besoin vient sur la terre, il s'est esprit. Personne ne va pas nous toucher. Pour le vivre, il s'appelle. Il faut bien, il y a un corps. Quoi fait à partir de qui matériel? Fait à partir de yon femme qui fait qui sortit dans terre. Même les corps ça pas même avec quoi femme. Même fait une semblable, même je le dis, dans Romains chapitre 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Une femme est encore semblable à celle à la femme gagne, femme gagne, mon capable, pour capable, parce que le bloc comme ça, on va venir dans ce sens du tout. Romains chapitre 3. Romains 8, pardon. Romains 8, verset 3. Nous, il est. Pablo, écoutez, nous, il y a qui ça nous veut comprendre. Parce que Pablo, c'est la Bible qui explique la Bible. En verset, expliquant l'autre verset. Il dit car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Chair ça où l'esprit a venu été là dans la qui fait animer. Comprenez bien, oui? En envoyant à cause du péché son propre fils né dans une chair. Attendez-vous. Seulement Texas, verset ça suffit pour expliquer ça, c'est l'état, c'est bien. Comprenez bien, on va aller doucement. Dieu envoie son fils. C'est qui son fils là? C'est l'esprit qu'elle voyait là. Ou autrement, l'esprit qui couvre Maria, qui forme le propre corps, et l'entraîne le propre corps, propre chair, propre enveloppe là, l'anime. On va dire? En envoyant à cause du péché son propre fils, s'il t'a défendu pour ne pas arriver dans la naissance là, c'est-à-dire dans la formation enveloppe qui fait en dedans Maria, nous dit Dieu envoie son fils. Est-ce que le fils de Dieu peut être cher? C'est Dieu, c'est l'esprit. Son gros bagage, c'est l'esprit. Le fils de Dieu ne peut être cher. Mais fils Dieu, Dieu, ça qui c'est l'esprit, l'ika, pour nous capables, où est l'elvini, lui obligé à enveloppe. Parce que tout bagaille est sorti dès l'origine, Dieu m'a fait par hasard. Maintenant, l'en retourné à l'autre. C'est ça, Cléon? Romains 8, verset 3. Il envoya son fils, comment le voyait petit Léa? Il envoya son fils à cause du péché. Il envoie, en envoyant à cause du péché son fils côté le voyage dans une chair, il a envoyé son fils qui va dans une chair, ça fort, ça haut et ça loup dans une chair qui chair lié semblable à ça du qui chair les chair formée à travers ma vie où est ce chair. C'est pas même chose, il semblait à celle du péché. Par la basse plante. Et ça n'est pas la pourrie. Et pour ça, il semblable. Quand David dit, il ne permettra pas que ton serviteur voit la corruption. C'était déjà prophétisé. Donc on est à Goyel, il voit une petite lia, en esprit, il est entré dans le corps, dans le chair. Il est formé colle, il est entré là-dedans. La quelle question on a dit, qui est-ce qui papa Jésus ou Dieu dit c'est l'esprit. Les 17 esprits te couvrira et tu seras en cesse. Est-ce que tu dis, Dieu le Père te couvrira? On a pas retourné à la Genèse parce que nous bien compris. On a retourné dans le texte sur ça. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ça c'est action spirituelle. Selon notre ressemblance. Ah, c'est pas bien, même image ou ressemblance que nous avons en esprit, si ou pas en esprit, pas capable de Dieu. Et comment tout selon la chose, on va louer que l'homme crée à l'image de Dieu.
puisque Dieu s'est exprimé. Voilà. Où est Dieu déjà? Selon les sous-paroles. Si ou pas en esprit. Et bien, j'ai oublié de dire son nom, mon Dieu, à bon. Bon, oui. Comprenez bien? Maintenant, Dieu, pour former l'homme, il a oublié de former l'esprit avant. L'esprit de l'homme. Et puis, lui, l'infini former l'esprit de l'homme, il crée enveloppe. L'esprit de l'homme. Voilà. Parce que nous, Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. Et nous, tout est déjà existé dans le même temps, mon Dieu. Mais c'est enveloppe pour qu'on fait. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, nous avons été élus, nous devons ça, en le français, avant la fondation du monde. Ça veut dire, avant la fondation du monde, ça veut dire, dans l'éternité, moi-même, avant nous été élus. Avant la fondation du monde. Et ça qui n'a pas gagné, pas fait par hasard aussi. On t'a dit, on a dit, on a sauvé, après ça, tu me dis, non. Bon, il y a la fondation du monde, il a dit, comment Dieu va le dire, non. Il dit, Dieu, non, vous ne connaissez pas ta sauvé. On va agir, somme 109. Oui. Et ça qui a dit, pour où est-ce que nous avons dit, vous mettez là en maudit. Il n'y a pas élu. Ça n'a pas passé là. Donc, l'informer. L'esprit l'homme, selon ressemblance, c'est pour ressemblance physique, parce que Dieu n'a pas de ressemblance physique. Parce que pour ta ressemblance physique, c'est selon l'esprit, ou bien soit selon physique pour te voir ressemblance physique, Dieu. Selon notre image, notre ressemblance, ah ben, là on parle de l'image de Dieu. Ah ben, là l'esprit apparaît devant, ou bien les gens qui sont là. Il y a deux images, l'image de l'esprit et l'image physique de Jésus-Christ en même temps. Donc ça veut dire, les Dieu finit former l'esprit d'Adam, on a formé corps chair là. Pour l'esprit, on a l'esprit, ça veut dire former à rentrer dans l'enveloppe. Et puis c'est là que Adam vient la vie dans l'enveloppe. On regarde dans notre là. On a commencé à partir du verset 7, Genèse 2. On a retourné la partie de la Bible. Dit l'Éternel Dieu forma l'homme voilà il a utilisé le former avec qui ça de la poussière de la terre enveloppe ça pas sorti de Dieu mais sorti à partir de la terre, c'est-à-dire que Dieu dit à la fin faut le retourner dans la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être. Ça, le souffle, c'est souffle. C'est esprit. Il mettait dans l'enveloppe là. Pour qu'il y ait chair à vivre vivant, il y a un être. Est-ce que les gens qui ont dit qu'ils sont vivants? Non. Oui, l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, comme nous avons dit tout à l'heure, et il plaçait l'homme qu'elle déformait et qu'elle met l'esprit dans lui. Pas bien, il dit, l'esprit c'est là, la vie. Maintenant, l'infini formé l'homme, il plaçait l'homme dans le jardin. S'il place l'homme selon l'esprit, il n'est pas formé enveloppe là. Comment l'homme t'a cultivé spirit et bien physique? Non. Il va pas cultiver. C'est de même Jésus-Christ, il est plus vite pour foncer les bagailles pour nous. Il
il était obligé pour nous compte le faire avec une pote péché. Pourquoi elle va venir comme ça avec le péché? Il n'a pas de péché. Parce que il n'y a pas qu'à pécher. Il n'y a pas qu'à porter péché, c'est des bagailles, des corps physiques, comme même. Il n'y a pas qu'à infecter l'esprit. Et c'est ça qui cause Jésus qui n'a pas péché. Mais l'aile branchée, la chair est capable de récupérer le péché. Sans pour autant que la chair n'a pas le péché. Mais qu'à encaisser, parce qu'elle forme tout ça. Depuis ça fait que Fia. Bien, oui, les mains. La couverture, c'est ça. La couverture, c'est ça. La couverture, c'est ça. La vie. Elle va commencer à nous dire comment elle est venue dans des brises. Elle a comment elle est petite. Et comment la mort a fait blague. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à moi. Manger. Elle dit, pape, ça arrive non seulement le pain, mais j'ai autant de manger. Il dit, et l'arbre de vie qui va lieu au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la même zone. Mais comment est-ce qu'on va laisser le compte? Dans le jardin, c'est des deux arbres. Une bas la vie, l'autre la bas connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, là-bas, il va là, la mort. Parce que l'homme vient de connaissance de bien et de mal là, pour nous besoin d'être bon Dieu, pour capable de vivre parfait, pas faire mal là. Parce que mon corps, qui sorti dans la racine mal là. Donc, lorsque, si d'après exemple de nous-mêmes qu'on a cap vie, nous reconnaissons du bien et du vers qui ça nous compte le plus. Vers là, la mort, vers le mal. Est-ce que la vie va là? Mais à qui est-ce que nous attaquons nous là? À la mort. Pour dire qui ça? Parce que nous avons un bloc qui sortit là. Et comme ça, son problème, oui. Et comme ça, est-ce que c'est ça? Pourquoi l'homme a décidé de manger nos fruits et arbres qui baillent la vie? Parce que l'homme parle de la vie. Nous pas aimer la vie. Nous pas aimer la vie. Ou autrement, c'est pas aimer même pas aimer la vie. Mais enveloppe nous pas aimer la vie. Pour te qui ça? Les jaloux de l'esprit. Est-ce qu'il y a un texte pour nous confirmer ça? Galates 5, verset 16, 17. Ça le dit. Je vous dis. Ne marchez pas selon les de là, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Est-ce que nous bien comprenons la différence? La chair, l'esprit. L'esprit sorti de Dieu, la chair créée ou est formée à partir de la terre. C'est deux bagailles qui vivent ensemble, mais qui opposées. On a retourné. Pourquoi l'homme pas qu'a choisi à qui baille la vie? Parce que enveloppe quelqu'un à jaloux de l'esprit à qui voulait la vie, lui-même c'est la chair. C'est pour ça que l'esprit est toujours plus fort. Hein? Même s'il y a deux jours, l'esprit est bien disposé. De la chair. Ou bien l'homme. Lorsque l'homme
entendez ça, Dieu dit. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme par aimé interdit, interdiction. C'est-à-dire que tu pourras manger tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance de la vie, tu n'en mangeras pas. L'homme t'a mangé. Sous-bas, c'est l'homme qui fait un bagage qui vient, tu fais mal. La fait bien. C'est l'homme qui ne dit pas que ça, et ça, on ne dit jamais. Vous comprenez, nous ne sommes pas anti-bébé. L'homme vient comprendre l'évangile, on va réfléchir en bébé, et en bébé gâté même. Mal élevé, sans respect pour mon Dieu. Et ça nous y est. Et Dieu dit nous à droite, nous à gauche. Peut-être qui ça? Parce que chair qui n'a nous, il nous rebelle à l'esprit qui recevra l'ordre là de Dieu. C'est vrai, l'esprit a recevra l'ordre là, d'accord avec l'ordre là, vous savez? Le chair même à vous m'avez dit non, moi pas vous. Vous savez ça parce que moi je dis en bas, je suis en bas, me déconnecter. Et ça, quel monde qui selon la chair là, l'aile mon ribo la fait la paix, la descend. Mais monde qui selon l'esprit, l'aile mon ribo la fait la montée. 15-24. On avance. Dit l'Éternel Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Vous voyez comment il forme de la terre. Tout le monde est là. Pendant le révélé, parce que l'eau va manger pas. Donc, à mettre l'eau à canuer à mon coup, on peut tout. Et bien, pas. Regardez vos problèmes, regardez les miens. Non, le dernier n'est pas pour moi. Je vous vends les normales, vous vous payez. Esaïe 11, 7. Et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Regardez ça, la paille. Et l'homme, verset 20, donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Ça y aura créé pour l'homme, qui s'est la vie pour lui, c'est aigli. Ma chef, lui, non? Aigli. Regardez ça. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Et il prit une de ses cordes. J'ai tout mis là. Et il retire la corde. Il va l'homme dans l'anesthésie. Et referma la chair à sa place. J'ai tout mis là. Elle a mis endormi le dimanche. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de. Où elle va entrer dans la terre directement pour former une femme. Il pourrait une côte.
faible, homme n'a pas faible, femme n'a pas hôpital passé. Homme n'a pas directement dans la terre, femme n'a même formé à partir de l'homme. Elle dit si l'homme n'a pas faible à 50%, femme n'a même pas faible à 10%. Pig bat toujours. Parce qu'il crée à partir de l'homme. Femme n'a traîné l'homme. Il a traîné. Après, femme n'a et l'homme n'a faible devant femme. Très faible. Vous comprenez? Et même les femmes sont être faibles. Mais deux sens, ça c'est deux contextes différents. Deux contextes différents. C'est-à-dire, en tant que mari, ou bien sur le plan, l'homme n'a faible devant femme, non, c'est dans le contexte charnel. Oui. Mais devant grand bagage, c'est l'homme, non. L'homme, c'est l'homme. Donc, femme n'a formée aussi à partir de la poussière. Parce que y a un petit point de poussière qui forme un côté. C'est-à-dire que l'homme n'a coûté un pile matériau. Mais femme n'a coûté un petit crasse matériau. Vous comprenez peut-être qui ça Dieu fait comme ça? Parce que Dieu forme un homme. S'il te forme une femme, même Jacques l'homme, non, il t'a égal égo. Et c'est pas ta aide l'île d'appeler. Tout le monde est libre et libre. Pour montrer qu'elle femme n'a pitié devant l'homme, non. En matériau. Il faut bien aller pour une corde. Et à partir de petits matériaux, ça, il va permettre que femme n'a produit au paquet de matériaux. Comment vous comprenez ça? Femme n'a pas réformé l'homme n'a avec grain de côte là. Ouais, mon dieu, toi, pour. Quand vous pensez, quand vous parlez de vous, vous de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme, la côte qu'il avait pris de l'homme, et l'amena vers. Ça veut dire ça. C'est pour vous déformer. Là, si vous comprenez ma douleur, c'est pas le démarre ou de ma manière. C'est un péché qui est un. Même comme si on n'a pas un péché, ça veut dire. C'est un péché, l'homme a vu tout seul. On ne l'a pas vu tout seul. Mais qu'il y a un contexte, il doit briser le contexte, puisque la parole de Dieu a grandi pour que ça soit avec intelligence, pour faire nous connaître bien. Il sortit le don de Dieu, il y a mon Bible qui était seul, il y a mon cap marié, il y a mon cap marié dans Dieu, qui a consacré pour Dieu, des femmes cap marié, femmes cap marié, qui a consacré pour la vie pour Dieu. Ça, on va comprendre. Avant, on va pas dire, mon dégage chez lui long, bagage à son dégage chez lui long, mais pour aller vers Dieu, dit, pour être à son coupé chez lui, mais femme, on a coupé chez lui, j'en ai. Dieu a arrangé les choses. Il fit une forme si l'homme comprend et si la femme comprend tout, l'homme t'a pu comprendre, femme n'a tout fait. La femme fait mon tour. Comprends le contexte mieux là. Maintenant, il a dit femme n'a très fait. Vous m'évitez côté côté mission. Comprends le contexte. Femme n'a très fait. L'homme n'a de côté. L'homme n'a très fait devant femme n'a. Dans l'autre contexte pour le nourrir homme selon être dans besoin qu'il a. L'homme on l'a pour les besoins, il a tout besoin. C'est-à-dire l'homme non, il a besoin pour lesquels Dieu te forme femme non, il est faible devant femme non, parce que le besoin ça a dû mettre la femme non, pour lui. Il est faible. Ça c'est le deuxième contexte. Et le premier contexte, la femme non, très faible parce que l'homme n'a de comprendre
protéger, aider, soutenir et remettre surtout. Parce que l'elle sentit le remettant, mais elle sentit la sécurité. En sécurité. Alors, je suis dans le vestibule pour que vous compreniez bien. Après, c'est une belle bagarre qui était plus belle bagarre. Oui, ça fait plus. Si vous avez madame ou madame plus, ou madame ou plus, vous avez plus. Mais pour bien votre sac qui passe, ça qui est bien, on laisse tout ça derrière. Pour avancer dans le monde. Vous avez bien des contextes à vous? En main faible. Parce que l'homme n'a pas pour protéger. L'homme n'a faible parce qu'il y a des besoins qui l'ont mis faible. C'est femme qui doit fournir le bagage. Et là, elle manque de besoins, ça lui est faible. Femme de vie, forte. Parce que ça a le besoin, c'est la femme de vie. C'est une raison qui fait femme n'a de respecter l'homme n'a et l'homme n'a de respecter femme n'a aussi bien. Il dit, ouais, comment Dieu crée les bagailles, comment les bagailles peuvent plonger. Et là, nous parlons vivre. Là, toute bagaille, ok, Dieu prononce le mot la mort pour la première fois. Mais il dit, maintenant, qui raison pour arriver à la mort? Mais maintenant, dit où je vais aller à la mort. Mais avec Moïse, il n'a pas la peuple, il dit, il veut la vie et la mort, même si tu choisis. Comment tu dis la vie, il choisit la vie? Parce qu'il connaît, s'il va dire, il y a la mort, il rappelait, Dieu te dit, pas là, quand Dieu va dire, pas là, il va aller. Il dit, pas choisir la mort, choisir la vie. Alors, le verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est hausse du maison et chair du ma mais son zoo du bon seulement au zoo seulement au corps comme dans son zoo délié mais qui comment fait gâcher oui vous n'avez pas vous mais ça c'est mon formé là. Elle lui prend compte là et il mette sa pied manger. Il dit on l'appellera. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise d'eau. Si tu veux te mettre tombé de bide, essayons. Pourquoi? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à quoi, à ça? Pourquoi vous avez dit ça? Vous avez dit d'aller parce que tout besoin de l'homme, là, c'est madame qui est là-bas. L'autre n'a pas attaché automatiquement parce qu'elle gagne des besoins, c'est qui madame Mikabali. Il va dire s'attacher à sa mère. Comprendre le contexte, ça comprendre le sens de ça. Mais elle dit à sa femme. Et bien, puisque les deux deviennent une seule chair. Contexte à clé maintenant. Sens de ça clé. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Est-il n'en avait point un? Là, il est tout le sang. Si tu as analysé, vous ne connaissez pas pourquoi il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Parce que dans le moment, la chair, on dit j'ai la chair de péter. Qui ça qui fait la chair, oui? Le chair.
Ça veut dire Dieu créé esprit qui sorti dans l'IA. Dieu l'esprit a tout ouvri. Mais forme chair à aveugle. Au point de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'esprit a la connaissance de la vie dans l'IA. Autant que l'homme n'a pas pas rentré pour la manger, ça ne va pas de manger. Chez arrêté à aveugle. Et depuis chez aveugle, l'homme soumet lui devant bon Dieu. C'est l'esprit qui a triomphé. Et c'est là que dit le péché n'existe pas. Si cher, on va bien déjà calé, j'ai l'ouvre. Pas comme j'ai la marché. Parce que cher, pas d'accord, l'esprit va le vivre. Il y a quoi vivre à lui. Pop vit pas lié à le nourrir, pop vit ça pour le rendre vivant, c'est par le péché. La chair vivant à cause du péché, péché dans la chair vivant, l'esprit vivant à cause de ça, à cause de la parole. Wap nourrit de la parole, l'esprit vit. Wap nourrit de vieilles bagailles le monde, la chair vit, l'esprit, pas le même. Ou en beauté. Qu'on y a là, l'on va continuer samedi et dimanche prochain, si Dieu veut. On va arriver pour voir que la mort que Dieu promet l'homme, non? On va comprendre qui sens il te dit, tu mourras. Est-ce que l'homme vient manger? Fouille, est-ce que l'homme vient mourir physiquement? Est-ce que l'homme vient mourir? Vous même l'homme vient vivant, mais qui mourir au moins la même? Qui ça me dit italien? On nourrit l'esprit à deux, la parole, l'esprit à vie. Si c'est chair, on choisit de nourrir, ça veut dire que l'esprit à mort. On ne dit pas mort, mais englouti, ou bien quitter quoi. A dit l'esprit de Dieu qui a animé l'esprit pour faire fonctionner. Et depuis va la salle, ça l'homme fait. L'homme, qui ça fait l'homme? C'est l'homme en relation avec Dieu. Mais du moment que la relation coupe sur vers où? Mort. L'homme est Dieu qui est pour tuer le chef physique complètement. Il l'a fait depuis conséquence là. L'homme qui est mort pour bien l'autre. L'homme qui est mort en manque de relation avec Dieu. Mais l'homme est dans l'esprit que Dieu te mettait dans ça crée avec l'image. Mais chez ça, l'homme a la relation avec Dieu. Il est content. Il a boîte de nuit. Il comprend la bambinée. Parce que son. Il a bien l'esprit. Bon. On est après. Dieu crée un esprit fort, limité dans la chair. Mais après ça, il prend propre l'esprit belge. Fusionner avec l'esprit pour là pour le faire fonctionner, pour le contrôler. Peut-être qui ça? Parce qu'elle connaît chair capable d'influencer l'esprit qu'elle met en haut. Ouais, peut-être qui ça? On veut pas faire ça, mais précision ça mort. C'est peut-être pour dire, mais où dit l'esprit à mort? Et qui l'esprit va parler là? L'esprit de Dieu pas à mort, c'est ce qu'elle dit. C'est ça qu'elle m'ouvre par la thèse là. L'infini crée l'esprit là, il mettait en chair. Ok? C'est tout comme le monde qui est dans le monde qui parle de Jésus-Christ. Il est bon chef, il est bon l'esprit. Mais l'esprit qui revient, l'esprit de Dieu, pas fusionné dans l'esprit, pas pour faire chair, chercher pour te mettre comme. Et c'est ça qui est même, il est mort. Vous dites qui ça veut dire? Éphésiens 2, il dit à cause du péché. Parce que chair fonctionne avec le péché,
chair vivant, il y a que l'esprit Dieu t'a accordé pour faire chair fonctionner, l'esprit à mort. A dit, moi comment? Elle dit, on parle pour relation avec Dieu. A dit, Dieu pas qu'à passer à travers l'esprit qu'elle mettait dans eux pour le communiquer avec eux. Ou bien pour le contrôler vie. Eh bien, les l'homme dans le jardin d'Eden mangeait fouilla. Ça fait, il coupait relation, Dieu te prend avec là à travers l'esprit qui n'en lia. Puisque Dieu communiquait, ou bien Dieu est rentré dans nous, Dieu mettait parole dans nous à travers l'esprit, il te met dans nous. Ne pas passer à travers la chair pour le faire. Parce que la chair n'est pas laissé voir barrer. Il y a Corinthiens 2. En lien Corinthiens 2, il y a pour le capitre 3. Il y a Corinthiens 2. Et Corinthiens 2, la plus de et comment c'est Dieu? Deux. À partir du verset 9. Même la bruit tourne sur lui, mais la bruit nous a fait quoi faire l'étude à la loi, mais je comprends ça. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par quoi? Par la chair? Par l'esprit. Peut-être qui ça les révéler par l'esprit, il pas révélé par la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Mais Dieu par chair. Dieu par chair, pas qu'à fonctionner avec la chair. Il dit chair, la chair. Et c'est ça qui cause que nous pas qu'à adorer Dieu, les nous selon la chair, parce que Dieu n'a aucune relation avec la chair. A dit, lorsque selon la chair, ou mourir. Paul déjà dit, si vous voulez sur la chair, vous mourrez. Il dit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 10. Dieu nous a révélé par l'esprit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, ou bien de la chair, si ce n'est l'esprit de l'homme, ou l'esprit de la de la chair qui est en lui. L'esprit de la chair, c'est l'esprit du péché. Qui anime les chairs. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit qui n'a l'homme n'a pas qu'à connaître bagaille bon Dieu si ce n'est pas l'esprit bon Dieu qui peut transmettre les bagailles. Il dit, or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ou autrement dit, l'esprit du péché. Mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui a couru des péchés, couru des toutes les bagages. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par ça. C'est-à-dire, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître des faits bon Dieu. Et nous en parlons non avec des discours cancers à charge, la sagesse humaine, mais avec ceux cancellés. C'est-à-dire, si c'est selon la chair, on a fait des discours, selon la sagesse humaine, nous ne parlons rien qui est bon. C'est-à-dire, Dieu parle là. Il dit, mais avec ceux cancellés, l'esprit. Parce que sagesse humaine, la chair enseigne tout. La chair enseigne, l'esprit enseigne. À la chair enseigne, à l'volo, à l'ouïmoun, à l'cachon magasin. Mais qui ça l'esprit enseigne, marchez droit, respectez moun, remet moun, aidez moun, partage avec moun. Il dit, mais avec ce que c'est l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'esprit fonctionnait avec l'esprit. La chair fonctionnait avec la chair. Il dit, mais l'homme, dans l'autre façon pour dire l'homme, l'homme animal, l'homme charnel ou bien la chair. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de parce que Dieu n'est pas arrivé à connecter avec l'esprit. Parce qu'il engloutit l'esprit que Dieu te mette dans le moyen de connexion. Hein? Pour lui, communique avec l'homme. Non? Il engloutit parce que péché abondé.
la chair grandit, l'esprit engloutit. Donc Dieu va communiquer avec nous. C'est que Dieu veut que l'homme animal, contrôlé, dirigé par là, la chair et l'esprit de la chair. Il dit, car elles sont une folie pour lui. Et c'est vrai, c'est pas menti. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on a. C'est que l'esprit qui n'en lia qui t'a comprendre, ça l'esprit de Dieu a dit. Puisque l'esprit qui n'en lia pas fonctionné, pas fonctionnel, la chair pas comprendre bagaille l'esprit. Il est bloqué. Nicodème, il était selon là, la chair. Il va quand même comprendre même bagaille la chair par elle. Voir bagaille l'esprit, c'était Dieu, c'était Dieu. Il dit l'homme spirituel, c'est-à-dire chair qui a l'esprit bon Dieu qui a dominé là, dirigé là, contrôlé là. Ça va se brûler. Il dit au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé pas paix. Parce que chair ça, il est englouti par l'esprit. Et l'est englouti par l'esprit, ça veut dire qu'il va pas le fou même là. Âme qui baille, hein? Le bien et le mal là. Il était abnommé de l'âme de l'esprit, ça veut dire de Jésus. Bon Dieu. Amen. L'éternel est mon Dieu. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le
Remaniez-nous.
rebooster nous, motiver nous. D'esprit de persévérance en nous-mêmes, d'esprit d'obéissance en nous-mêmes, d'esprit de crainte en nous-mêmes, pour nous capables de marcher avec vous jusqu'à ce que vous retourner. Oui, vous avez pour vous, le pire, c'est pour vous. D'abord, le temps pour vous parler de grâce, pour parler de grâce, pour parler de vos visions, pour vous. De parler, évidemment, c'est que nous sommes capables de faire ça. On est là à chercher, nous rejoignons nos côtés, Seigneur. Choisis côté pour nous réunir. C'est prière, choisis côté. Nous capables de jouer, nous capables de lutter. Nous bon gloire. Nous connaissons plus de notre terre. Nous connaissons ça, Seigneur. Oui, nous connaissons ça. Nous avons le temps de nous pour nous confier sur nous. Et que grâce à quelqu'un qui va éternellement capable de nous sur l'église. Et sur chacun de nous, nous t'aimerons. Au nom de Jésus. Merci. Allez, bonsoir et bienvenue au nom de Jésus. Thank you.